À Saint-Étienne qui recevait Montpellier, tout s'est joué en deuxième période. Il y a d'abord une reprise sans bavure de Julio César qui permet à Montpellier de mener 1-0. Cette deuxième période était alors commencée depuis 5 minutes, mais Saint-Étienne, en fin de rencontre, va réussir deux buts superbes. À 20 minutes de la fin, il y a d'abord une tête de Vincent Chicharro, un but partout, puis à 12 minutes de la fin, centre de Françoise, tête de Garande. Ce dernier, avec 9 buts, devient le meilleur buteur du championnat et Saint-Étienne bat Montpellier 2-1.